Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. On va faire le déballage de l'assistant vocal de Google appelé Google Nest Hub. Ok Google, quelle heure est-il? Il est 18h35. Ok Google, réveille-moi d'ici 2 minutes. Pas de problème, votre alarme est réglée à 18h50. Ok Google. Oiseau l'enfant sur YouTube. Ok, l'oiseau est l'enfant de Kids United. C'est lancé sur YouTube. Comme mon enfant. Alors, dans cette vidéo, on va faire, comme j'ai dit, le déballage. On va voir comment le configurer et à quoi ça sert. Et pour information, il existe d'autres assistants vocaux sur le marché comme Alexa d'Amazon. Commençons tout d'abord par l'unboxing. Voilà. Voilà, je vais commencer par ouvrir le suspense, je suis trop impatient. Waouh, le voilà. Voici à quoi il ressemble. Je vais commencer par enlever le plastique. Wow, c'est magnifique. Voilà. L'assistant Google. Ici, on a le chargeur. Ça s'ouvre de cette manière, je crois. Oui. Le voilà. Voilà, je vais rendre tout ça à sa place. Et les amis, pour ceux qui n'ont pas ce genre de prise à la maison, vous devez acheter un adaptateur. Les amis, j'ai entre les mains le Google Nest Hub et pour information, l'écran fait 7 pouces. Et ici, j'ai 2 micros et au milieu, un capteur pour régler la luminosité. Et c'est aussi un capteur de mouvement. Par exemple, s'il y a une musique en marche, je fais par exemple ce mouvement pour stopper la musique. Et pour le derrière, le Google Nest Hub, ici j'ai un bouton qui sert à activer ou désactiver le micro. Quand c'est le rouge, ça veut dire que le micro est désactivé. Et quand c'est blanc, ça veut dire que le micro est activé. Et ici, j'ai un bouton pour régler le volume. J'appuie en haut pour augmenter le volume et en bas pour le diminuer. Et ici, j'ai une prise d'alimentation. Après tant de temps de fouille dans le grenier, j'ai enfin trouvé l'adaptateur. Le voilà. Je vais le connecter avec mon chargeur. Voilà. J'ai ici une
rallonge. Et les amis, attention, ne branchez pas tout seul. Laissez un adulte le faire à votre place parce que c'est très dangereux. Voilà. Et les amis, maintenant, il ne reste plus qu'à brancher le fil à notre Google Nest Hub. Voilà. Et voici ce que ça me donne. Hi, to get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Alors ici, on me demande de scanner ce QR code avec mon smartphone pour configurer l'appareil. Parce que c'est difficile, je vais laisser mon père le faire. Les amis, après la configuration, il est temps de tester notre assistant vocal de Google en lui posant quelques questions. Avant de poser n'importe quelle question, il faut dire soit « Ok Google » ou « Hey Google ». J'étais en train de vous préparer un petit café. Ils m'ont entendu. Mais je suis de retour pour vous aider. Première question. Ok Google, quelle heure est-il ? Il est 18h35. Deuxième question. Ok Google, quelle heure est-il maintenant à Paris ? À Paris, il est 19h36. Ok Google, donne-moi la météo de la semaine en cours. Actuellement à Rabat, il fait 24 degrés avec un ciel principalement couvert. Cette nuit, il devrait faire 22 degrés avec un ciel partiellement couvert. Les amis, on va lui demander un autre type de question. Et on va lui dire de lancer la radio Midi 1. Ok Google, lance la radio Midi 1. Je lance Midi 1 en streaming depuis TuneIn. Matin jusqu'à 7-8 heures du soir, elles sont complètement à l'ombre. Ces grosses chaleurs les impactent quand même parce qu'elles souffrent. Hein. Ici, pas de rivière pour abonner. Ok Google, notre berger. Augmente le son. Apporter de l'eau. Installé depuis bientôt 30 ans, le constat est amer. Les épisodes de sécheresse se multiplient au fil des ans. Ok Google, c'est de plus en plus précoce. Le son à 80%. Les périodes de sécheresse sont plus longues. Tous les ans, l'herbe se fait plus rare. Le gouvernement a promis d'être aux côtés des agriculteurs sans mesures concrètes pour le moment. Peut-être des aides de la place pour... Quitte la radio. Ok Google, propose-moi une recette de salade marocaine. Bien sûr, voici quelques recettes. Les amis, ici, il m'a donné plusieurs exemples. Je vais en choisir un. Voilà. Et l'écran, il est tactile pour information. Pour commencer la recette, il faut soit appuyer sur ce bouton où est écrit « commencer à cuisiner » ou dire le mot magique suivi de « commence à cuisiner ». Alors moi, je vais dire « Ok Google, commence à cuisiner ». Il y a 10 étapes. Je vais vous les lire une par une. Quand vous voulez passer à la suite, dites « étape suivante ». Première étape, laver les légumes, épluchez-les. Ok Google, étape suivante. Deuxième étape, détailler les tomates en petits morceaux en gardant le jus et les pépins. Ok Google,
Étape suivante. Couper le concombre en dés les plus petits possibles. Ok Google. Étape suivante. Hacher l'oignon très finement. Maintenant, je vais lui demander de me réveiller dans, par exemple, 2 minutes. Alors, ok Google, réveille-moi d'ici 2 minutes. Pas de problème, votre alarme est réglée à 18h50. Pour arrêter l'alarme, je vais lui dire, ok Google, arrête l'alarme. Les amis, je vais demander à papa de lui demander de lui fixer un rendez-vous. Ok Google, rappelle-moi de jeter la poubelle d'ici 5 minutes. Compris, je vous le rappellerai à 18h58. Maintenant, je vais demander à ma petite soeur de lancer sa chanson préférée sur YouTube. Ok Google, oiseau l'enfant sur YouTube. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ok Google, oiseau l'enfant sur YouTube. Ok, l'oiseau est l'enfant de Kids United. C'est lancé sur YouTube. Survolant la terre. Où les matins effeuillent les rêves. Ok Google. Leçon à 30%. Ok Google, quittez YouTube. Les amis, le rappel de papa est déclenché. Ok Google, annule le rendez-vous. Excusez-moi, je ne comprends pas. Ok Google, annule mon rappel. Vous semblez avoir 5 rappels. Voici 3 rappels. Lequel voulez-vous supprimer ? Jeter la poubelle pour aujourd'hui à 18h58, sortir les poubelles pour le 20 juillet à 10h ou appeler maman pour le 20 juillet à 9h. Annuler mon rappel, jeter la poubelle. Bien sûr, j'ai annulé le rappel. Aujourd'hui à 18h58, jeter la poubelle. Les amis, si vous voulez protéger votre vie privée, vous pouvez désactiver le micro manuellement ici, dans ce bouton. Le micro est désactivé. Les amis, avant de mettre fin à cette vidéo, je tiens à remercier ma tante Khadija Zmou qui m'a offert ce joli cadeau. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.